matin-là, je me réveillais tranquillement, j'étais chez moi, et j'avais vraiment la migraine parce que j'avais passé une sale journée la veille. Bon, de toute façon, je savais que je reprenais mon travail à 14h parce que j'étais tranquille, donc je me suis dit, je vais prendre ma douche tranquillement. Voilà, j'étais en train de me préparer. Et j'étais pas encore prêt pour le taf, franchement j'avais pas envie, donc je me suis dit que j'allais me faire mon petit déj. Voilà. Donc j'étais peinard en train de faire mon petit déj quand tout à coup j'ai entendu la porte. Qui est-ce ça peut bien être encore? Oh John, ça va? Salut, on a eu un changement. Oh non, me dis pas qu'on commence maintenant. Tu prends la place de Robert. Oh c'est pas possible. Oh bon, tu me laisses 5 minutes, je vais me préparer. Ouais, bah ouais. Ok, ça va, j'arrive. Bon, et du coup, bah, il a fallu que je me prépare pour aller au travail. Et franchement, heureusement que j'avais préparé mon costume juste avant de démarrer ma journée. Et voilà, j'étais enfin prêt pour faire une petite journée classique de circulation, hein, comme je les aime. Donc, il m'attendait dans sa voiture. Ben voilà, ben, c'était parfait. Alors, j'en profite justement pour fermer mon portail. Parce que je me suis dit que, bon, j'allais laisser la maison ouverte, mais le portail à la rigueur, non. Et on pouvait aller tranquillement au travail. Ah, salut. Ouais, ben, première ronde de la journée. Bon, je pense qu'on va être tranquille aujourd'hui. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. En plus, il fait super beau. C'est super agréable. Ah là là. Oh là là, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a quelqu'un par terre là. J'ai l'impression qu'elle... Ouais, elle a pas l'air en bonne santé là. Elle a même l'air morte. Madame? Elle a fait un AVC ou quoi? Elle nous parle pas. Elle a pas l'air bien. Bon, tu sais ce que je vais faire? Appelle les renforts s'il te plaît. Appelle des renforts. Donc, je te laisse faire. Ok, bon, il appelle les renforts. Oui, vous l'avez trouvé comme ça. Ben, j'imagine bien. J'imagine bien, ouais. Bon, elle a... Ouais, ben, elle a l'air extrêmement... Elle a l'air gravement blessée. Elle a l'air morte, hein. Franchement, vous l'avez trouvé vers quelle heure, vous savez? Oh, les renforts sont déjà là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils sont déjà là. Ouais. Bon, je te laisse appeler une ambulance aussi. Oui, salut, salut les collègues. Salut. Il va falloir appeler une ambulance. Oh là là, mais quelle dextérité cette ambulance. Oui, voilà, on a eu un petit souci là visiblement. Je crois qu'elle a l'air extrêmement en mal en point. Vous pouvez regarder si elle est encore en vie ou pas. Vous la mettez direct sur le brancard. Très bien. D'accord. Vous vous l'amenez à l'hôpital? On n'en fait pas. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut prendre en charge la dame, s'il vous plaît? Vous l'amenez à l'hôpital. Elle a l'air un peu sous le choc. Voilà, je vous invite à prendre l'ambulance avec les ambulanciers là, ils vont vous amener à l'hôpital. Comme ça vous faites un petit examen, on vous parlera plus tard. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom s'il vous plaît? Isana, très bien. Bon mais on prendra contact avec vous, je vous invite à aller dans l'ambulance. Voilà, il y a l'ambulancière qui est revenue là. Allez-y, vous allez voir un médecin. Oula, il y a du monde hein. Bon, vous avez bien géré les collègues là, vous avez bien géré. Nickel. Il n'y a rien à voir, s'il vous plaît, circulez. Voilà, la personne, elle a été emmenée à l'hôpital. Il y a eu un incident. Donc, on va s'en occuper. Merci, merci. Bon, John, on va rentrer. Hein, on va rentrer directement. On prend la voiture. On va rentrer directement. On va aller au poste de police. C'est bon pour toi? Voilà. Bon, vous pouvez tout ranger, les collègues. Hein. Rangez tout. On va aller au poste de police. On va aller voir le chef. On va voir ce qu'on fait par la suite. Et suite à cette enquête, en fait, on était amené à se rendre au commissariat de police. Et c'est justement là que tout va se corser. Puisque on savait pas exactement ce qu'il en était, on avait absolument aucune information. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai demandé à mon collègue, tu as une idée en fait de ce qu'on va faire là, parce que franchement, c'est vraiment galère. Hein. Faut voir le chef pour trouver des pistes. Ouais, c'est une excellente idée. Bah, tu sais quoi, on va aller voir le chef. Voilà, ouais, il a pas l'air commode aujourd'hui. Je pense que ça va être tendu. Hein. Bon, je vais lui expliquer moi. Hein. Ouais, je sens qu'il est. Bonjour, entrée. Bonjour, chef. Voilà, on a un petit souci, quoi. Même un gros, hein, parce qu'on vient de tomber sur un crime, en fait. Hein. On a été sur une enquête. On a trouvé une personne qui s'est fait tuer sur la route, quoi. Du moins, sur le trottoir, plutôt. Et on a appelé les secours. Ils l'ont amené à l'hôpital et on n'a pas plus d'infos que ça. Hein. Voilà, on voulait vous tenir au courant pour vous faire un rapport. Bon, mais c'est justement là que j'étais en train de me dire. Je lui ai dit ça au chef, mais je pense qu'il va... il me demande la victime, c'est qui. Ben, super, mais je savais pas du tout, en fait. Donc, du coup, je lui ai répondu. Bah en fait on n'en sait rien puisqu'on n'avait pas de papier. Et c'est là que je me suis dit mais on n'a pas fouillé le corps. Et ça fait vraiment des bons policiers en fait. Il faudra ensemble amener des gens. J'avais dit de le faire. Bah ouais mais pour faire un examen. Ah d'accord oui. Sur la victime donc peut-être. Ouais probablement à l'hôpital. Donc vous voulez dire à l'hôpital en fait c'est ça? Pour avoir plus d'informations. Parfait. Bon bah du coup j'avais mon idée de départ qui était quand même bien. Mais quand même on avait vraiment été nuls parce qu'on avait carrément pas fouillé le corps. Bon ça se voit qu'on débute quand même dans la police. Et c'est là qu'en fait mon chef a reçu un coup de fil.
Ah, le téléphone sonne. Bon, ben pendant que le chef parle au téléphone, moi je te suggère qu'on l'attende dehors, hein. T'en penses quoi? Ouais, on va l'attendre dehors. Bon, on va rester là, tu sais quoi? À part si elle a quelque chose à nous dire, on va parler au collègue. Salut collègue, vous passez une bonne journée? Ah, super, moi ça me fait toujours plaisir de vous croiser. Ouais, nous franchement, ça commence super mal. Oula, c'est qui ça? Qui c'est ça? Tu l'avais déjà vu? Vous l'avez déjà vu rentrer en commissariat? Qui c'est? Vous la connaissez? Non? Bah ouais, c'est la première fois que je la vois. Moi. Ah, par contre, je crois que le... Attends, viens, le chef, je crois qu'il a quelque chose à nous dire, là. Oui, chef? Ah, une info, bon, super. Je vous ai obtenu une place pour l'autopsie. Bah, super, on dirait qu'on va au cinéma, quoi. Bon, ça, c'était une pensée personnelle, hein, je vais pas dire. Une place pour l'autopsie, ça donne vachement envie d'y aller. En plus d'en savoir plus sur la victime. Ouais, bah, super. Bon, vous savez quoi? Ben, merci, chef, on va aller voir. On va se rendre à l'hôpital. On va pouvoir avancer sur l'enquête. On vous tient au courant, de toute façon. Merci. On sera en commissariat? Bon, merci chef, hein, on y va du coup. On sera en commissariat, ouais, tu m'amènes? Parfait. Allez, on y va. Bon, en fait, je te dis commissariat, mais c'est l'hôpital, hein. Excuse-moi, je suis pas très bien aujourd'hui. En plus, il commence à faire nuit, il va falloir qu'on rentre à la maison. On va juste se renseigner sur ça et on rentre, hein. Tu en penses quoi? Bon, la journée a été longue, en fait, on s'est pas rendu compte, mais tu te rappelles où était l'hôpital au moins? Ouais, bon, je crois qu'il est un peu en galère, mon collègue. Et du coup, on était vraiment en... on n'avait aucune piste en fait, hein. Cette enquête a commencé vraiment mal. Donc on allait voir directement à l'hôpital si on allait avoir plus d'infos. Donc là, on arrivait à l'hôpital et il y avait pas grand monde forcément parce que c'était la nuit, hein. Mais je voyais quand même énormément. Oh là là, il y a pas mal de malades. Ben viens, il y a personne à l'accueil, ouais, parce qu'ils sont tous occupés les médecins. Là. Ils sont tous occupés. Viens avec moi, John. On va aller directement dans le service de... Ouais, on va aller dans le service de chirurgie parce que je crois qu'il est là. Ah ben voilà, c'est parfait. Oh là là, deux légistes carrément. Bonjour. Bah, ils ont l'air occupés quand même, hein. Bonjour. Voilà, donc bah, bien sûr, on vient sur conseil de notre chef puisqu'il vous l'avez contacté visiblement. Vous avez plus d'informations que ça concernant notre victime là? Parce que du coup, on connaît même pas son nom. Parce que mon collègue, il a oublié de prendre ses infos, hein. Vous avez vu les papiers ou pas? Ouais, ben bah, ça va, je t'accuse pas à toi, mais... C'est vrai que dans un sens, c'était ma faute. Mais je préférais mettre la faute sur lui, c'était beaucoup plus simple. Les papiers sont sûrement dans ses vêtements. Mais je vous laisse la fouiller du coup, parce que je vais pas mettre des empreintes dessus. Je sais pas où vous en êtes dans vos examens. Parfait, merci. La victime s'appelle Christine. Ah bah du coup, regarde, on a les papiers. Bon, super, bah, on aurait dû y penser avant, mais bon, bah, c'est un peu ma faute. Bon, je vais les ranger, on regardera. Donc elle s'appelle Christine, hein. Ah, Christine. Très bien. Vous avez quoi comme autre information à nous donner par rapport à ce crime, histoire qu'on ait des éléments pour l'enquête? La blessure vient d'un objet contendant. C'est plus un objet tranchant, vous voulez dire, parce que c'est quand même fait lacérer. Sûrement une hache. Oh là, ouais, d'accord. Bon, tu notes, hein. Prendre des notes. Ouais, je vois que tu notes. Ouais, une hache. Très bien. Vous avez d'autres informations à nous donner? Pour le moment, je sais rien de plus. Ah là là, on est mal parti là. Tu sais quoi? Je crois que vraiment, on va se retrouver dans une situation pas possible. Parce qu'à mon avis, c'est pas la première et la dernière victime. Si là, on n'a aucune information, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Les analyses sont en cours. Ben, si vous avez plus d'infos que ça, ben, tenez-nous au courant. De toute façon, vous appelez directement le commissariat. Vous demandez l'agent d'équerre. D'accord? Donc voilà, l'agent d'équerre. Et son équipier, donc John. Voilà, donc nous, on est sur l'enquête. C'est nous qui prenons en charge, voilà. Donc on va y aller, on vous remercie. En tout cas, nous, on va rentrer chez nous. Hein, parce que là, on a fini notre journée. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas plus d'infos aujourd'hui. Allez, merci à vous. Bon, ben viens, John, on y va. Hein. Bonne soirée, bonne soirée. Bon, ben du coup... Oh là là, ouais, il y en a, ils sont en galère, là. Oh, ouais, il y a des malades. Bon, on va les laisser tranquilles, viens. On va rentrer, moi. J'ai besoin de terminer ma journée, là. Tu m'amènes... Ouais, amène-moi chez moi. Et on finit notre service tranquille, là. Bon, on aura peut-être plus d'informations demain. Et du coup, on avait fini notre journée. Et c'était là que mon collègue John me ramenait chez moi. Et ça faisait vraiment du bien de rentrer à la maison. Ben, merci à toi, John. Hein. Merci pour m'avoir ramené déjà. Parce que, voilà, bonne soirée, collègue. Voilà, bon, journée difficile. Hein. Franchement, vraiment galère. Ouais. Bon, j'espère que demain, on aura plus d'informations que ça. Mais bon, en tout cas, cette femme, voilà, c'est pas cool, quoi. Allez, ciao, ciao. Du coup, moi, je rentre à la maison. Et ça y est, j'avais enfin fini cette journée infernale. Et ça faisait vraiment du bien de retrouver son lit. Et enfin, de dormir tranquille. Bon, c'est Melzer qui fait mal, hein, en ce moment. Il couvre beaucoup de terrain. Il court beaucoup.
là là, encore une journée difficile. Franchement, la journée d'hier, c'était vraiment, vraiment galère. Donc là, sur le coup, j'étais vraiment en train de me dire qu'on avait vraiment passé une sale journée avec John. Et j'espère que cette journée va être un peu moins compliquée qu'hier. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? En plus, c'est le week-end. Donc, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Je pense que je...